Jérémie 48, verset 10. Jeremiah 48, verse 10. Jérémie 48, le verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Amen. Nous sommes en train de combattre. We are at war. Et nous sommes en train de coopérer avec le Saint-Esprit pour attirer la faveur de Dieu sur nous. And we are cooperating with the Holy Spirit to bring down the favor of God upon us. Et la clé d'une intercession, and the key of an intercession, c'est la supplication pour toucher le cœur de Dieu. Is supplication to touch, to move God's heart. Il y a des choses que nous ne méritons pas. There are things that we don't deserve. Si nous osons ouvrir nos bouches, if we dare to open our mouths, c'est parce que nous comptons sur les compassions de Dieu. It's because we count on God's compassions. Nous voulons qu'il soit touché. We want him to be moved. Qu'il pardonne nos péchés. And forgive our sins. Qu'il pardonne nos choix et les conséquences de nos choix. Forgive our choices and the consequences of our choices. S'il est touché de cette manière, if he's moved in that way, il peut ordonner une bénédiction. He can command blessings. En écoutant les témoignages, cela devient évident. While listening to the testimonies, it becomes obvious que tout peuple qui touche le cœur de Dieu récolte la bénédiction. That every people who touch God's heart have his blessings. Dieu délivre celui-là de ses ennemis. God delivers such from their enemies. Dieu délivre celui-là des conséquences de ses propres folies. God delivers such from the consequences of their own folly. Et quand on est pardonné de cette manière, and when we are forgiven in that way, quand on est délivré de cette manière, and delivered in that way, on voit les fruits. You see the fruits. Dans les exaucements. In answers. Dans les bénédictions. In blessings. Dans les délivrances. In deliverances. Dans les guérisons. In healings. Le genre de guérison qui est miraculeuse. The kinds of healings that are only miraculous. Quand tu es guéri, toi-même tu témoignes. When you're healed, que ça c'est la main de Dieu. You yourself testify that this is God's hand. Quand quelqu'un a un palu qui se complique d'une manière inexplicable. When somebody has malaria that gets complicated in a way that cannot be explained. Dans ta tête, tu commences à comprendre que si Dieu n'intervient pas, tu seras le compagnon des vers. If you contemplate in your mind, you notice that you say, if God does not intervene, you become the companion of worms. Dieu maudit. God curses. Il maudit. He curses. Tous qui font son œuvre avec négligence. All those who do his work with slackness. Dieu maudit. Il faut retenir ça très bien. You must keep this very carefully. Il y a des invités parmi nous. There are guests in our midst. Quand on demande à certains de se repentir, ils sont étonnés. When they ask some to repent, they are surprised. Ils sont étonnés. They are surprised. Certains pensent qu'ils sont des chrétiens normaux. Some think that they are normal Christians. Certains pensent qu'ils aiment Dieu de telle sorte qu'il n'y a que les anges pour rivaliser avec eux. Some think that they love God in such a way that only angels can compare with them. Alors que dans les desseins de Dieu, whereas in God's purposes, ils sont déjà maudits. They are already cursed. Maudit soit quiconque fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Cursed is anyone who does the work of God with slackness. Tu peux vivre des difficultés aujourd'hui qui sont les conséquences de la manière dont tu as traité l'œuvre de Dieu. You can live in difficulties today which are the consequences of the way you've treated God's work in the past. Comment tu as traité les serviteurs de Dieu, les personnes qui devaient t'enseigner la vérité, comment tu les as traités? How you treated the servants of God, those who had to teach you the truth, how you treated those people?
comment tu conçois l'œuvre de Dieu dans ta vie, laissons même dans le monde, dans ta propre vie. How do you conceive the work of God in your own life? Let's forget about the world. In your own life, how do you conceive it? J'ai prêché l'évangile à quelqu'un. I preached the gospel to someone. Et il était orgueilleux. And he was proud. Il me dit, moi aussi je lis la Bible. And he said, I should read the Bible. J'ai une grosse Bible. I have a big Bible. Si tu veux, je vais aller chercher. If you want, I'll go and get it. Je lui dis, va chercher. I told him to go get it. Il a ramené effectivement une grosse Bible. Effectively, he came back with a big Bible. La couverture était en cuir. The cover was in leather. Mais la couche de poussière qui était sur la couverture. But the layer of dust that was on the cover m'a donné l'autorité. Gave me authority. Parce qu'il a regardé, il m'a fixé, et puis il a regardé, il a posé le doigt dessus, il a tiré. Il y avait un tas de poussière sur son doigt. Because he looked at me and then looked at his Bible and took his finger and passed it through and there was dust that stuck on his finger. Il a fait profil bas. And then he became humble. Il s'est calmé un peu. He calmed down a little. Si ta Bible, if your Bible est couverte de poussière, is covered with dust, attention. Watch out. Attention. Watch out. Il a dit à Josué, Joseph, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Do not let this book of the law depart from your mouth. Médite le jour et nuit. Meditate on it day and night. Jour et nuit. Day and night. Afin que tu aies du succès dans tes entreprises. So that you succeed in all that you do. Jour et nuit. Day and night. Tu vois, quelqu'un vit dans le concubinage. Someone lives in concubinage. Et il va à l'église correctement. And then he goes to church correctly. Il dit qu'il aime Dieu. He tells himself he loves God. Maudit soit quiconque. Cursed is the one. Fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Who does the work of God with negligence? Comment tu peux dire que tu aimes Dieu? Tu n'es même pas capable de payer une petite dot pour honorer ta femme. How can you say that you love God? Je ne parle même pas de pour montrer que tu crains Dieu, pour montrer que tu l'honores, même en tant qu'un être humain. How can you say that you love God and you cannot pay the bride price for your wife just to show that you even honor her as a human being? Tu es maudit. You are cursed. Le pasteur Mathieu nous disait que quand il était dans le monde, il va au trésor. So Mathieu nous dit que quand il était dans le monde, il va au trésor. Il ramène l'argent. You bring back money. Quand sa femme demande un peu d'argent, when the wife asks for some money, il se cache, il fait comme ça. You hide and then behave like this. Faut pas qu'elle voie l'argent. For her not to see the money. Et après, il riait lui-même parce qu'il était déjà sauvé. Il riait, se moquait de lui, de cette attitude mondaine. And he would laugh at himself at this worldly attitude because he was already a believer. Comment tu traites les réunions de prière? How do you treat prayer meetings? Dans ton assemblée. In your assembly. Si tu viens seulement les dimanches, if you only come on Sundays, tu fais l'œuvre avec négligence. You are doing God's work with negligence. Ce soir, this evening, nous allons supplier Dieu. We are going to plead with God. Parce que frère, brethren, je vous dis la vérité. I tell you the truth. Si tu penses que tu as été très bon, if you think that you have been very good, que Dieu te bénisse. God bless you. Mais si tu es humble, if you are humble, dis à Dieu, tell God, je n'ai pas bien fait ton œuvre. I've not done your work the way you expect. Dis-lui que je ne peux pas rendre ce témoignage-là. Tell him that I cannot bear this testimony. Que j'ai aimé les frères comme je devais les aimer. That I've loved the brethren the way I ought to que have loved. Que je les ai soutenus comme je devais les soutenir. That I've supported and backed them the way I ought to. Je ne peux pas dire que j'ai prié pour mon dirigeant comme je devais prier pour lui. I cannot say that I've prayed for my leader the way I ought to. Certains non seulement ils sont même ils font un avec négligence, ils sont aussi rebelles. Some are not only negligent but they are also rebellious. Dieu va enlever la malédiction. God will take away that curse.
Dieu va enlever, il va enlever sa colère. God will take away his anger. Et si tu n'as pas encore donné la vie à Jésus, profite seulement pour donner. Parce que si tu rentres encore dans ton péché, tu vas rentrer maudit. If you have not given your life to Jesus, take the advantage of this moment and give your life to Jesus. Because if you don't do it, you will go back home cursed. Écoutez. Listen. Nous allons sélectionner quelques versets. Verset 9. C'est un cantique, on appelle ça cantique de Déborah et de Barak. We are going to select some verses, Judges chapter 5. It is called the Song of Deborah and Barak. Mon cœur est au chef d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre, bénissez l'Éternel. Verse 9. My heart is with the rulers of Israel who offered themselves willingly with the Lord, with the people. Bless the Lord. Quand tu es zélé, when you are zealous, quand tu es enflammé par le zèle, when you are set ablaze by zeal, les gens qui aiment Dieu chantent des cantiques pour toi. People who love God sing hymns for you. Dieu lui-même te bénit. God himself blesses you. Alléluia. Alléluia. Verset 13. Verse 13. Alors, un reste du peuple triompha des puissants. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. Then the survivors came down, the people against the nobles. The Lord came down for me against the mighty. Alléluia. Alléluia. D'Éphraïm arrivèrent les habitants d'Amalek. À ta suite marcha Benjamin parmi la troupe. From Ephraim were those with your peoples. From Machir rulers came down. And from Zebulun, those who fear the recruiter's staff. Il y avait la guerre. There was war. Et on est en train de voir qui était parti soutenir l'œuvre de Dieu, qui était resté chez lui à la maison. And we are seeing here who went to support the work of God and who stayed back home. Il dit d'Ephraïm, les habitants d'Amalek sont venus. From Ephraim were those whose roots were in Amalek. Les chefs de Machir sont venus. And the chiefs of Machir came. Les commandants de Zabulon sont venus. And the commanders of Zebulun came. Hallelujah. Hallelujah. Les princes de Issachar furent avec Déborah. Ils étaient en guerre. Ils sont venus. The princes of Issachar were with Deborah. They were at war. They came. Ils furent envoyés sur des pas dans la vallée, près des ruisseaux de Ruben. Grande furent la résolution des cœurs. Ils étaient déterminés. Alléluia. Sent into the valley under the command among the divisions of Reuben. Tous ceux-là sont bénis. There were great resolves of the heart. Verset 16. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux au ruisseau de Ruben? Why did you sit among the sheepfolds to hear the peepings for the flocks, the divisions of Reuben? Pourquoi toi tu es resté à la maison? Why did you stay back home? Pourquoi tu es resté t'occuper de tes biens? Why did you stay back to take care of your belongings? J'écoute comment tes moutons sont là. Mais tu es content. Les bœufs font. Tu es là. Il y a la guerre de l'Éternel. Toi tu es là, tu contemples tes troupeaux. Why do you stay back to listen to how your sheep make meh, and your cattle make oh, whereas there is the battle of the Lord. Il y a des gens qui ne viendront à Tiekwa que quand il y aura une salle de 25 000 places. The people who come to Tiekwa only when we have the 25,000 seater hall. Ils ont déjà perdu. They have already lost. Parce que quand le Seigneur va chercher à récompenser ceux qui avaient contribué dans le froid et sous la pluie, ceux-là ils sont perdus. Because when God will be seeking for those who contributed under the cold and the rain, those oui. ones would have lost. Oui. Yes. C'est comme ça que Dieu travaille. That is how God works. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Il y en a qui attendent quand le transport sera par hélicoptère. Yes.
de quartier à te quoi, tu montes seulement dans un hélicoptère où il y a te déposé. There are some who wait when the transportation will be through an helicopter and then they will carry you from where you are to Atekwa. Grande fut les résolutions de cœur. Their heart resolve was great. Quand c'est comme ça, Dieu observe même les mouvements de cœur. When it's like that, God watches and observes the movement of the hearts. Parce que tu peux être là mais passif. Because you can be present but passive. Écoutez le verset 17. Listen to verse 17. Galaad au-delà du Jourdain n'a pas quitté sa demeure. Pourquoi dansait-il tenu sur les rives? Aser s'est assis sur le rivage de la mer. Celui-là est parti s'asseoir à la plage. Il voit les vagues. Waouh! Gilead stayed beyond the Jordan. And why did Dan remain in ships? Asher continued at the seashore and stayed in his inlets. Alors que le Seigneur a déclaré la guerre. Whereas the Lord had declared war. Et que les vaillants sont en train de soutenir son peuple. And that the mighty men are backing his people. Il n'a pas quitté sa demeure. Il est resté couché sur son lit ou à regarder la télévision. He did not leave his home. He stayed back and was watching TV. Il y a des gens parmi vous qui pouvaient être ici tous les jours, mais qui choisissent une fois par semaine. There are people among you who are able to be here every day, but they choose to come once a week. Verset 18. Verse 18. Zabulon est un peuple qui affronta la mort. Alléluia. Zabulon is a people who jeopardize their lives to the point of death. S'il y a un obstacle, nous on va écraser ça. There are the people who went and they said if there's an obstacle, we'll crush it. Il affronta. They faced it. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Dieu ne peut pas traiter les gens de la même manière. God cannot treat people the same way. Zabulon est un peuple qui affronta la mort. Zabulon jeopardized their lives to the point of death. Dieu ne peut pas oublier un tel homme. God cannot. Naphtali de même. Naphtali also. Pendant que tu écoutes, tu demandes pardon à Dieu. While you are listening to this, ask God to forgive you. Tu demandes pardon à Dieu. Ask God to forgive you. Il y en a qui donnent. Qui critique même ce qu'il donne. Non seulement il ne donne pas. Quand tu donnes même à Dieu, il te critique. There are some, not only they don't give, but they also criticize those who give to God. Et quand ils ont des problèmes, and when they have problems, ils disent, oh Dieu, délivre-nous. They say, oh God, deliver us. Oh Dieu, délivre-nous. Deliver us. Écoutez le verset 19. Listen to verse 19. Des rois vinrent y combattir. Alors combattirent les rois de Canaan. The kings came and fought. Then the kings of Canaan fought. Etc. And so on. Verset 20. Verse 20. Écoutez. Listen. Des cieux ont combattu. De leur sentier, les héros combattirent contre Sisera. They fought from the heavens. The stars from their courses fought against Sisera. Au jour de la bataille, Dieu même intervenait du ciel. On the day of battle, God himself intervened from heaven. Ça veut dire que Dieu peut gagner sans nous. It means that God can win without us. Dieu peut gagner sans nous. God can win without us. Alléluia. Alléluia. Écoutez. Listen. Verset 23. Verse 23. Maudissez Méroz, dit l'ange de l'Éternel. Maudissez, maudissez ses habitants, car ils ne veulent pas au secours de l'Éternel, au secours de l'Éternel parmi les hommes vaillants. Curse Méroz, said the angel of the Lord. Curse its inhabitants bitterly, because they did not come to the help of the Lord, to the help of the Lord against the mighty. Toute une ville. An entire city. Dieu dit, maudissez cette ville. God says, curse it. Maudissez-la. Curse it. Maudissez-la. Curse it. Ils ne sont pas venus au secours de l'Éternel quand il y avait la guerre. They did not come to the help of the Lord when there was war.
Maudit soit quiconque fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Cursed is anyone who does the work of God with negligence. Notre première prière. Our first prayer. C'est Seigneur, aie pitié de nous. Is that Lord, have mercy on us. Ne sois pas insensé de dire Seigneur, j'ai jeûné un jour, j'ai lu la Bible, tu n'as rien fait. Do not be insensitive. Tu ne sais même rien faire. I fasted one day and I read the Bible. You've done nothing. Le Seigneur a dit, the Lord said, quand vous aurez fait tout ce qui vous a été demandé de faire, that when you would have done all what you were asked to do, dites, say, nous sommes des serviteurs inutiles. We are unworthy servants. Nous n'avons fait que ce que nous devrions faire. We have just done our duty. Mais entre nous, brethren, est-ce qu'il y a une seule personne parmi nous? Is there just one person qui peut dire que j'ai très bien fait ce que Dieu voulait que je fasse? Who can say I've done so well what God wanted avec me to do? Avec toute mon énergie, toute ma force, tout mon amour, toute mon intelligence. With all my energy, all my strength, all my love, all my knowledge. Tu donnes 5 francs, tu te glorifies. You give 5 francs and you glorify yourself. Tu réussis à venir même 2-3 fois, tu ne fais que compter combien tu as déjà donné et tu regardes même la montre constamment. You only come once or twice and you start talking about how much you've given and then you constantly look at your watch. Tu discutes même les chaises avec tes frères. Tu n'as même pas bien fait mais tu pêches. You fight on chairs with the brethren. You've not even done well, but on top of that you sin. C'est pour cette raison que beaucoup sont bloqués. That is why many people are blocked. Pas par les démons. Not by demons. Parce que Dieu n'est pas content. Because God is not happy. Dieu n'est pas content. God is not happy. Tu fais un vœu à Dieu, tu oublies. C'est comme si tu n'as même jamais fait de vœu. Ça ne te dit rien même. You make a vow to God and then you forget. It's just like you've never made a vow to God. Demande pardon à Dieu. Ask God to forgive you. C'est ce type de repentance qui fait que s'il y a un baobab, il va tomber. That is the kind of repentance that makes any baobab that is present to fall. Les principautés comptent sur les rébellions des frères, des âmes, des croyants. Principalities lay hold on the rebellion of brethren, of souls. C'est-à-dire, Satan organise la résistance là où tu as des problèmes spirituels. Satan organizes resistance where you have spiritual problems. L'erreur de beaucoup, c'est que ils se réjouissent de là où ils sont forts. The mistake many make is that they rejoice about their strong points. Sans réparer là où ils ont des problèmes. Without repairing where they have problems. La sagesse veut que là où tu as des problèmes, tu te concentres pour bien fermer. Wisdom demands that where you have problems, you concentrate to close it up. Pourquoi tu donnes sans planification? Tu jettes seulement, tu jettes 1000 francs, tu jettes. On s'assoit, on prépare comment on va donner à Dieu. Why do you give? Why do you give without planning? You just throw 100 francs here and there. When you want to give, you sit down and plan and you organize. Le Seigneur dit, the Lord says, l'ouvrier qui a connu la volonté de son maître, qui n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. That a servant who knew his master's will and did not plan on how to execute it and did not do anything, on planifie l'obéissance. We plan obedience. Faut pas improviser sans plan, mais dans le monde tu es vigilant, tu planifies tout, tu as même un agenda, tu as des programmes hebdomadaires. Mais pour Dieu là, tu balances les pieds. Si ça tombe dans la salle d'assemblée, gloire à Dieu. Si ça tombe au quartier, gloire à Dieu. Do not evolve without planning. For the things of God we ask in the world, you have a diary where you plan everything. You just walk, and if it falls in the assembly, good and fine. If it falls elsewhere, you just continue. Au début de l'œuvre. At the beginning of the work. Nous avions des frères à Lokojoro. We had brethren in Lokojoro. J'ai coordonné l'adoration l'après-midi de dimanche. I was leading the worship service on Sunday afternoon. Non, ça devait être l'enseignement de samedi. I think it was après-midi. The Saturday afternoon teaching. J'étais debout donc je voyais les gens qui passaient. I was standing so I saw the people were passing by. J'ai vu un frère de Lokojoro passer.
I saw a brother. Les mains dans la peau, il marchait lentement. He was passing by. Il est arrivé là où il y avait l'assemblée, mais il a continué sa marche. He passed by with his hand in his pocket. He got to where there was the assembly. Then he continued. On a fini la réunion. The meeting ended. Il revenait maintenant. Then he was coming back. Je dis, mais tu étais où? I asked him, but where were you? Il dit, que j'étais vu passer. I saw you passing je by. Je dis bien au début de la rencontre. I'm telling you that it was at the beginning of the meeting. Qu'il est parti prendre un coca. He went to take a bottle of Coca-Cola. Tu quittes Lokojoro pour venir à Kumas, à Markori. Tu dépasses l'assemblée pour boire petit coca. Ça te prend tout le temps de la réunion. You leave from Lokojoro, you come to Kumasi, and then for a bottle of Coca-Cola, then it takes you the entire time of the meeting. C'est comme ça qu'il balançait ses pieds. That's how he was just throwing his legs. Est-ce que celui-là peut être béni? Que personne ne vous trompe. Can such a person be blessed? Non. It's not possible. Let no one deceive. Il y a des gens qui disent Dieu de toute bonté, ils ne connaissent pas Dieu. There are some people who say he's a God of all. C'est le même Dieu qui dit ici qu'il maudit, il maudit ceux qui font avec négligence son œuvre. It's the same God who says here that he curses those who do his work with negligence. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Tenons-nous debout. Let's stand, please. Reviens. Come back. Et le Seigneur va ordonner la bénédiction de venir dans ta vie. And the Lord will command blessings upon your life. Et il va retirer la malédiction. And he will withdraw the curse. Il dit maudissez Meros, maudissez-la. He says curse Meros, curse her. Ne la laissez pas, maudissez-la. Don't leave her alone, curse her. Parce que ce qu'il a fait n'est pas bien. Because what that city did was not good. Le Seigneur l'attendait au front. The Lord was expecting them at the war front. Et lui, il dort. But they were sleeping. Il dort. They were asleep. Je vous dis la vérité. I tell you the truth. Si tu connais un frère, if you know a brother, qui est négligent, who is negligent, transmets-lui ce message. Transmit this message to him. Il est dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? He says that if God is for us, who can be against us? Si Dieu est content. If God is happy, s'il est honoré, if he is honored, par notre manière de faire, by our way of doing things, de servir, of serving, de nous consacrer, of consecrating ourselves, nous serons remplis de bénédictions. We'll be filled with blessings. La grâce et la faveur vont nous précéder à tout lieu. Grace and favor would accompany us everywhere, would go ahead of us everywhere. Ne commets pas l'erreur de faire comme le pharisien dans le temple. Do not behave, do not make the mistake that the Pharisee at the temple made. Je jeûne deux fois par semaine. I fast twice a week. Je ne suis pas comme ce républicain. I'm not like that je tax collector. Je ne suis pas comme ce publicain. I'm not like that tax collector. Je suis plus fort que lui. I am stronger than him. Tu rates. Then stop. Prions ensemble. Let's pray together. Dis, oh Père. Say, oh Father. Pardonne-nous. Forgive us. Et en priant, pense à ceux qui ne sont pas ici. And while praying, think of those who are not here. Dieu est en train d'agir. God is working. Même dans la vie de ceux qui sont loin d'ici. Even in the lives of those who are far away. En priant, pense à cela. While praying, think of those ones. Pense à tous ceux qui s'humilient. Think of all those who are humbling themselves. Devant Dieu. Before God. Oh,
Dieu au Père, pardonne-nous. Say, oh Father, forgive us. Nous avons fait ton œuvre avec négligence. We have done your work with negligence. Nous avons fait sans planification. We have done it without planning. Nous avons bricolé. We have worked haphazardly. Quand nous faisons les choses du monde, when we do the things of the world, dans nos lieux de service, in our places of work, dans nos plantations, in our plantations, dans notre commerce, in our business, nous sommes plus sérieux, we are more serious, que quand nous invoquons ton nom, than when we are calling upon your name, et quand nous rendons témoignage, and when we are testifying. Nous le faisons sans zèle, sans force. We do it without zeal, without strength. Nous retenons notre épée. We keep our swords back. Oh Père, oh Père, oh Père. Oh Father, oh Father. 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 Oh Father, Dieu, oh Père. Say, oh Father. Nous tremblons devant les chefs humains. We tremble before human chiefs. Nous faisons des courbettes. We bow down pour être félicités. To be congratulated. Et quand nous sommes devant toi, and when we are before you, nous ne craignons rien. We fear nothing. Aucun respect pour toi. No respect for you. Aucun respect qu'on doit à un Père. No respect that we owe a Father. Et aucune crainte qu'on doit à son Créateur. No respect that we owe one's Creator. Pardonne-nous, pardonne-nous. Oh, forgive us, forgive us. Pardonne-nous, pardonne-nous. Oh, Père, pardonne-nous. Oh, Father, forgive us. Continue à supplier Dieu. Continue to plead with the Lord. Oh, Father, forgive us. Ora bakashar ga bakashir ga ga ora bakashir ga bakashir ga ora bakashar baka ori ga bakashir ga la baka oh sara lis pour nous Malachi chapitre 1 verset 6. Read for us Malachi chapter 1 verse 6. Malachi chapitre 1 le verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Amen. Relis encore. Read again, please. Malachi, chapitre 1, le verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous sacrificateurs qui méprisez mon nom. Si les pères, où est le respect? Si les dieux, où est la crainte? If he's God, where is the respect? Where? If he's Father, where is the Dieu fear? Te dit, si je, supposons que je ne suis que ton maître. God is saying, just suppose that I am only your master. Où est le respect? Where is the respect? Maintenant que tu dis que je suis ton Dieu, donc je suis ton maître et ton Dieu, où est le respect? Où est la crainte? Now that you say that I'm your master and your God, where is the respect? Where is the fear? Continuons à intercéder. Vous allez voir des miracles. Let's continue to intercede. You will see miracles. Quand Dieu est honoré, God is honored. Il secoue la terre. When God is honored, he shakes the earth. Il secoue l'enfer. He shakes hell. Il secoue le ciel. He shakes heaven. Il fait tarir les eaux. Makes the waters. Il confond les armées invisibles et des malsaines. He confounds invisible armies, invisible evil armies. Prions ensemble. Let's pray together. Kura bakashar gavagala. Kura bakashar gavagala. Ora bakashara bakalagaji. Ora bakashira bakalabaka. Ora gaba. Prions en langue, prions en langue. Let's pray in tongues. Kalabakashura bakalabaka.
Ora bakasa karabako tarabakasa karabako bakasa karabako baka ora bakasa karabaka karabako ora bakasa karabaka sava ere bakasa karabako bakaraka bakasa kara ora bakasa kabaka ora bakarabaka sabaka ora bakasa baka ora bakasa kabaka ora bakasa kabaka ori dalbasene kere bala kere ora kere bara kere bara kere bara kere bara kere bara kere ba ora bakashara baka Forgive. Nous sommes insensés. We are unwise. 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 Nous sommes insensés. Nous sommes des insensés. Nous sommes des insensés. Nous sommes des insensés, nous sommes des insensés. Nous sommes des insensés. Nous sommes des insensés. Nous ne connaissons pas les voies. Nous ne connaissons pas tes voies. Don't know your ways. Nous ne connaissons pas tes voies. Don't know your ways. Enseigne-nous ta crainte. Teach us how. Enseigne-nous ta crainte. Teach us your fear. Enseigne-nous ta crainte. Teach us your fear. Enseigne-nous ta crainte. Teach us your fear. Enseigne-nous ta crainte. Enseigne-nous ta crainte. Teach us your fear. Oh rakaba, 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 oh rakaba. Dis à toi l'honneur, à toi l'honneur. Say to you the honor, to you the honor. À toi l'honneur, à toi l'honneur. To you the honor, to you the honor. À toi notre crainte, à toi notre crainte. To you our fear, to you. À toi l'honneur, à toi la crainte. To you honor, to you the fear. À toi l'honneur, à toi la crainte. To you the honor, to you the fear. Ora baka la baka shara baka. Baka shara baka. Ora baka shara baka. Ora baka shara baka. Tu peux t'asseoir. You can be seated. Tu commences à lui demander des faveurs. You can begin to ask him for favors. Dis-lui s'il te plaît. Tell him please. Guéris-moi. Heal me. Délivre-moi de l'opprobre. Deliver me from disgrace. Tu vas obtenir des choses que tu n'avais jamais obtenues devant Dieu. You obtain things that you've never obtained before God. Dis le Seigneur, enlève cette maladie. Tell him, Lord, take away this sickness. Dis, oh Père, tu étais irrité contre moi. Tell him, oh Lord, you were angry against me. À cause de ma négligence. Because of my negligence. Je m'en repens. I repent of it. Mais à qui autre irais-je? But to whom else can I go? Délivre-moi. Deliver me. Guéris-moi. Heal me. Guéris-moi. Heal me. Dis, tu peux me guérir, tu peux me guérir, tu peux me guérir, tu peux me guérir. Oh, ragabaka, jorbaka, goba, jorbaka, goba, jorbaka. Oh, ragabaka, jorbaka, goba, jorbaka. Oh, ragabaka, jorbaka, goba, jorbaka, goba, jorbaka. Oh, rakaba, rakasere, kabaka, sere, karabaka, sere, karabaka, sere. Oh, rialbasanabu, oh, rialbaka, rabasia. Même si c'est le VIH/SIDA. Even if it's HIV/AIDS. Même si c'est le cancer. Even if it's cancer. Même si c'est cirrhose de foie. Even if it's a sickness of the liver. Il t'exauce. He'll answer you. Même si c'est une plaie qui a fait déjà des années. Even if it's a wound that has been there for years. Même si tes trompes sont bouchées. Even if your ovaries are blocked.
délivre, deliver, guérir, heal, délivre, deliver, rachète, redeem, fraye le chemin, pave the way, fraye le chemin, pave the way, ordonne la vie, command life, ordonne la vie, order life, ordonne la grâce, order grace, ordonne ta faveur, order favor, oh Père, oh Father, viens à notre secours, come to our rescue, continue à prier en langue, continue to pray in tongues. Korabasaka, korabakasakaba, 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 korabakasakaba. Dieu au Père, oh Father, confond les troupes ennemies. Confound all enemies. Arrache tes enfants de la mort. Snatch your children from death. Arrache tes enfants de l'oppression. Snatch your children from oppression. Arrache ton peuple de l'oppression. Snatch your people from oppression. Arrache, 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 arrache. Snatch, snatch, snatch. Arrache du complot, arrache du complot. Snatch from plots, from plots. Arrache du complot, arrache du complot. Snatch from plots, snatch from plots. Dis Père. Say Father. Nous étions infidèles. We were unfaithful. Et tu nous as abandonnés dans nos combats. And you abandoned us in our battles. Maintenant nous sommes revenus. Now we have come back. Et attendez. Si tu es là pour la première fois. If you are here for the first time. Et que tu n'as pas encore arrangé ta vie. And you have not put your life right. Le sujet qu'on vient d'élever peut te condamner. The topic that we just raised could condemn you. Donc, je marque une pause pour que tous ceux qui veulent se réconcilier avec Jésus viennent ici devant. So I'm taking this break so that all those who want to reconcile to avant Jesus, qu'on continue la prière, qu'ils viennent vite. Si tu sais que tu as besoin de Jésus, if you know that you need Jesus, viens devant ici. Come forward. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. May the grace of God be with you. Oui, venez, 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 venez. Come forward. Venez, 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 venez. Yes, come forward. Yes. Ne regarde pas à gauche, à droite. C'est le temps des choix personnels. Do not look left or right. This is a time of personal choices. Tu peux même venir avec ton fils. You can come with your son. Et il décide de haïr Jésus. And he decides to hate Jesus. Tu peux venir avec un ami intime. You can come with an intimate friend. Et il décide de haïr Jésus. To hate Jesus. Viens, 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 viens. Come, 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 come. Non, votre manière d'acclamer. Your way of applauding. Quand on veut acclamer Jésus, on acclame when Jésus. We want to give a round of applause. We applaud. Well. Est-ce qu'il y a quelqu'un de ce côté? Is there someone by this side? Est-ce qu'il y a quelqu'un de ce côté qui doit donner la vie à Jésus? Is there someone on this side who must give his life to Jesus? Lève-toi, tu viens. Rise up and come. Ne tombe pas dans le piège. Nous avons lu les gens qui négligent l'œuvre de Dieu. Do not fall in the trap. We read about people who neglect the work of God. Quand Jésus veut que tu lui donnes ta vie, when Jesus wants you to give him your life, et tu fais comme si tu n'entends pas, and you behave as though you are not here. Même ta conscience même te dit vas-y, vas-y, vas-y. Even your conscience tells you go, go, go. Ça c'est l'esprit de Dieu qui te parle. That is the spirit of God speaking to you. La voix que tu entends, the voice that you hear, qui te dit va. Which tells you va. Go. Va. Go. C'est la voix de Dieu. That is the voice of God. Quand tu entends va. When you hear va. Go. Va. Go. C'est la voix de Dieu. That is God's voice. La voix que tu entends,
The voice that you're hearing, c'est la voix du Saint-Esprit. Is the voice of the Holy Spirit. Il te dit, lève-toi. Which is telling you, va devant. Stand va and go devant. Forward. Stand and go forward. Va devant. Stand and go forward. Va devant. Go forward. La voix qui te dit ne va pas, ne va pas, c'est la voix du diable. The voice that is telling you don't go, is the voice of the devil. Tu vas choisir qui? Whom are you going to choose? Est-ce que tu as pesé les conséquences? Have you weighed the consequences? Viens. Come. Lève-toi et viens. Rise up and come. Entre en courant. This is a place of miracles. If she has faith, she can go back running. Il faut mettre la foi en pratique. Tu laisses qu'il t'amène doucement, doucement. Jésus est là. So put your faith into practice. Don't let her to bring you slowly. Jesus is here. Lève vos mains. Raise your hands, please. Dit Seigneur Jésus. Say, Lord Jesus. J'ai été négligent. I have been negligent. J'ai été paresseux. I've been lazy. Zélé dans le monde, mais paresseux dans ta maison. Zealous in the world, but lazy in your house. Négligent. Negligent. Je te demande pardon. I ask you to forgive me. Je change aujourd'hui. I change today. Je suis devant toi. I am before. Personne ne m'oblige d'être là. No one obliges me to be here. Moi-même, je me donne à toi. I give myself to you. Librement. Freely. Consciemment. Consciously. Et je supplie que tu me pardonnes. And I plead that you should forgive me. Que je sois lavé par ton sang. That I should be washed with your blood. Que je sois séparé de mon passé mauvais, maudit. That I be separated from my evil, cursed past life. Que j'en prenne les sentiers de la vie que tu mets devant moi. That I should take the pathway of life that you set before me. Je te dis merci. I say thank you. Merci Seigneur. Thank you Lord. Tendons nos mains. Let's stretch out our hands. Proclamons la bénédiction sur eux. Let's proclaim blessings upon them. Proclamons la bénédiction sur eux. Let's proclaim the blessings upon them. Oh, Rabaka, Sharabaka. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Be blessed, be blessed, be blessed. Nous vous séparons de toute malédiction. We separate you from every curse. Séparons de toute malédiction. We separate you from every curse. Séparons de toute forme de sorcellerie. We separate you from every form of witchcraft. De toute forme d'idolâtrie. From every form of idolatry. D'idolâtrie. Pratiquez dans vos familles. I don't let you practice in your families. Que ceux qui sont malades parmi vous guérissent. Let all those who are sick among you be healed. Que ceux qui sont malades guérissent. Let those who are sick among you be healed. Que ceux qui sont malades guérissent. Let those who are sick be healed. Que la faveur de Dieu descende sur vous. Let the favor of God come upon you. Pour une guérison divine. Divine healing. Une délivrance authentique. Genuine deliverance. Oh Jésus Christ. Oh Jesus Christ. Que ceux qui sont possédés soient délivrés. Let those who are possessed be delivered. Que les démons soient chassés. Let demons be cast out. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Donnez-leur des chaises rapidement. On continue la prière. Give them chairs quickly. I will continue praying. Dis démon. C'est démon. Nous sommes reconciliés avec notre Père. We have reconciled ourselves to our Father. Tu ne dois pas rester là, caché. You must not stay here hidden. Notre Père a déclaré. Our Father declared. Qu'il n'y a point de paix pour le méchant. That there is no peace for the wicked. Il n'y a point de paix pour les démons. There is no peace for demons. Point de paix pour le démon. No peace for demons.
J'ai la croix du calvaire. On the cross of Calvary. Jésus vous a exposé un spectacle. Jesus exposed you to public shame. Jésus a triomphé de tous les mauvais esprits. And he triumphed over every evil spirit. Ce soir, nous allons frapper tous les démons qui ont résisté jusqu'à ce jour. This evening, we are going to strike all the demons that have resisted until today. Même si la personne n'est pas ici. Even if the person is not here. Même si la personne est à la maison. Even if such a person is at home. Vous aurez les témoignages. You have. Nous dirigeons notre épée. So we direct our spear partout où il y a un démon résiste. Wherever a demon is resisting. Nous dirigeons notre épée. We direct our spear contre tous les appuis d'orgueil. Over all the strongholds of pride. Nous renversons les autels. We overthrow altars. Nous invoquons le feu contre les sanctuaires. And we call upon fire upon their sanctuaries. Dis, esprit méchant. Say, spirit. Même si tu as restitué ce que tu as pris. Even if you have given back, tu dois partir. You must go. Gardez le calme. Please be quiet. Et vous savez, on a écouté beaucoup de témoignages. You know, we listen to many testimonies. Beaucoup de méchants sont venus remettre les choses. Tiens, prends. Ça c'est pour qu'on arrête de combattre. Came and gave back things and said, take, take. That's for us. They want us to stop. Donc, le sujet fighting. Que nous sommes en train de lever dit que je prends, mais tu dois partir. So the topic that we are raising says, I take it, but you must go. Parce qu'il va penser que dès que tu es content là, tu dis je suis délivré, il reste à 2 mètres. Because he thinks that once you receive the things back, you'll be happy and then he just stays 2 meters away. Pour la plupart va partir maintenant. La plupart most, vont partir maintenant. Most of them will go now. Il remet pour que la guerre s'arrête. Il s'est trompé. They give them back so that the war will stop. But they are mistaken. Il remet. He said they give it back. Et il s'en va. And they go away. Donc on reprend la prière. Dis au nom de Jésus. In the name of Jesus. Tu as remis. They have given it back. C'est bien. Good. Mais va-t'en. Go. Va-t'en. Go. Dis au nom de Jésus. Say the name of Jesus. Nous renversons tout. We overthrow all.
dans le camp de Satan. In Satan's camp. Nous démolissons ce qu'il faut démolir. Demolish all that must be demolished. Nous renversons tout ce qui est debout. We overthrow everything that is standing. Nous arrachons, nous déracinons tout ce qui doit être déraciné. We snatch and we uproot. Au nom de Jésus-Christ. Continue à condamner. Kalaba kalaba karaba 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 karaba. Koroba karaba koroba karaba koroba karaba koroba karaba kashika. Vidal Bay Sakabana. Dieu au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Partout où il y a eu alliance. Wherever there has been a covenant. Partout où il y a eu contrat. Where there has been a contract. Écrit ou verbal. Written or verbal. Avec les paroles ou avec le sang. With words or with blood. Le sang des hommes ou le sang d'animaux. The blood of men or the blood of animals. Ou le sang d'oiseaux. Or the blood of birds. Nous déchirons. We tear. Toutes ces alliances. All those covenants. Nous détruisons ces pactes. We destroy those pacts. Nous déchirons les alliances. We tear those covenants. Nous détruisons les pactes. We destroy the pacts. Nous proclamons la liberté. We proclaim freedom. Et nous commandons aux démons de s'en aller. And we command demons to depart. Dieu au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous détruisons. We destroy. Tout envoûtement qui loge dans le ventre. Every bewitchment that abides in the belly. Tous ceux qui ont été envoûtés et que c'est dans leur ventre, nous les délivrons. All those who are bewitched and is found in their bellies. Nous arrachons ces envoûtements. We snatch those bewitchments. Nous arrachons tous ces envoûtements. We snatch all those bewitchments. Continue à prier. Continue to pray. Pose les mains sur ta tête. Lay your hands on your head. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous brisons la puissance. We break the power. De toute maladie. Of every sickness. Qui a des origines mystiques, des origines spirituelles. Which has. Nous brisons la puissance. We break the power. Nous détruisons la résistance. We destroy the resistance. De toute maladie. Of every sickness. Qui a son origine dans l'envoûtement. Which has origins in bewitchment. Gardez le calme. Please be quiet. Enlevez les mains de votre tête. Take down your hands from your head. Tu gardes ton esprit en communion avec le Saint-Esprit. Let your spirit remain in fellowship with the Holy Spirit. Aucun méchant ne pourra résister. No wicked spirit will be able to resist. Esprit impur. Unclean spirit. Qui tient ses origines dans la franc-maçonnerie. Which has its origins in Freemasonry. Ta mission est finie. Your mission is over. Sors et va-t'en. Out and depart. Sors et va-t'en, sors et va-t'en. Out and depart, out and depart. Toi qui viens de la franc-maçonnerie. You coming from Freemasonry. Sors maintenant vite. Out and depart quickly. Nous cassons tous les signes et les symboles. We break all the signs and symbols.
Tu ne vas pas rester là. You will not remain here. Rose Croix, my carry. Rose Christian order, my carry. Vous êtes les mêmes. You are the same. Sorry, Vatan. Out and depart. Restez concentré. Remain focused. Quand il n'y a pas de paix pour le méchant. Because there's no peace for the wicked. Si on a utilisé ton nom pour travailler. If your name has been used, je proclame ta liberté. You proclaim your freedom. Je te sépare de ce nom. I separate you from that name. Si une femme a été envoûtée, charmée, envoûtée. If a lady has been bewitched or charmed par un homme qui lui a donné un médicament avec les urines dedans. With a man who gave him some medicines with urine inside. Je déclare que tu es libre. I declare that you are free. Et j'ordonne à ce démon de s'en aller. And I command this demon. Va-t'en vite. Go away. Go away quickly. Tous ceux qui ont été envoûtés par la nourriture, all those who have been bewitched, ou par une boisson, un songe, or drink in a dream, même s'ils ont oublié, even if they've forgotten, je déclare qu'ils sont libres. I declare that they are free. Toi, démon, tu dois partir vite. You demon must go out quickly. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Si une sœur, if a sister, bien c'est une, si une personne, or if someone, avait plusieurs maris de nuit, had many spiritual husbands, et que un est parti, les autres veulent se cacher, and that one is gone, and the others want to hide. Manifestez-vous et partez vite. Manifest yourself and go away quickly. Partez vite. Depart quickly. Va-t'en vite. Go away quickly. Va-t'en vite. Go away quickly. Va-t'en, 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 va-t'en. Out, 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 out. Je t'arrache. I snatch you. Des mains de cet esprit. From the hand of the spirit. Je t'arrache des mains de cet esprit. I snatch you from the hand of the spirit. Je t'arrache des mains de cet esprit. I snatch you from the hand of the spirit.
Laisse-le vite, va-t'en. Leave alone and go out. Va-t'en vite. Go out quickly. Nous brisons la résistance. We break the resistance. Continue à prier, c'est les récalcitrants. Continue to pray, these are recalcitrant ones. Gardez le calme. Gardez le calme. Please be quiet. Le Seigneur nous a révélé que il y a des gens qui ont des vers blancs dans les oreilles. The Lord revealed to us that there are people who have white worms in their ears. Dit au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Que tous les vers blancs et toute autre chose that every white worm and every other thing qui se trouve dans le corps, les oreilles, la gorge, which is found in the body, the ear or the throat, dans l'estomac, les intestins, in the belly, in the intestines, pour provoquer une maladie, to provoke, va-t'en, sortez out. Gardez le calme. Please be quiet. Le Seigneur nous a révélé qu'il y a des serpents qui sont les marées de nuit. Je ne le savais pas. Je savais qu'il y a les marées de nuit, femmes de nuit. The Lord revealed to us that there are snakes that are spiritual husbands. Il y a des pythons qui ont pris des femmes. There are pythons that have taken over women. Je me suis rappelé d'un témoignage. I remember the testimony. Une sœur disait que son mari avait beaucoup d'argent. Quand il est mort, un python est venu avec une rose dans sa bouche pour venir lui dire, si tu veux que l'argent continue, il faut qu'on se marie. That a sister had, her husband had a lot of money, and when he died, she saw in a dream a python coming with a rose fly in its mouth and saying that if you want that money to continue coming, then get married to me. Nous allons les chasser. We are going to cast them out. Car le mariage c'est pour les hommes. Because marriage is for men, human beings. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Toi esprit démoniaque. You demonic spirits. Esprit de serpent. Spirit of snakes. Qui possède une femme. Which possesses a lady. Va-t'en! Out! Vite, 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 vite! Quickly, quickly, quickly! Pura bakasara, 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 bakasara. Sors, sors, sors! Out, out, out! Sors et va-t'en, sors et va-t'en! Out, antipat, out, antipat! Sors! Out, sors et va-t'en! Out, antipat! Sors et va-t'en! Out, antipat! Sors! Out! Sors et va-t'en! Out, antipat! 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 Sors et va-t'en! Out, antipat!
Sors et va-t'en. Out and depart. Sors et va-t'en. Out and sors et va-t'en. Out and sors et va-t'en. 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 Out and depart. Esprit de serpent. You spirit of snakes. Esprit de serpent. You snake spirit. Sors et va-t'en. Out and depart. Esprit de serpent. Sors et va-t'en. Out and depart. Esprit de serpent. Sors et va-t'en. Out and depart. Esprit de serpent. Esprit de serpent. Sors et va-t'en. 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 Out and depart. Sors et va-t'en. Out and depart. Ora baka sora baka go baka jero baka go jero baka. Ora baka sora baka go jero baka go jero baka. Ora baka sora baka go jero baka go jero baka. Ora baka sora baka go jero baka. Sor of a town. Sor of a town. Sor of a town. Sor. Sor of a town. Out and depart. Sor of a town. 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 Out and depart. Sor. Out and depart. Sor. Out and depart. Sor of a town. 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 Out and depart. Esprit de serpent. Esprit de serpent. Esprit. Esprit de serpent. Esprit. Sor of a town. Out and depart. 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 Sor of a town. Out and sor of a town. Out and sor of a town. Out and depart. Gardez le calme. Please be quiet. Ora baka sharmaka. Toi qui n'es pas parti. You who doesn't want to go. Nous te frappons. We strike you. Sors, va-t'en, sors, va-t'en. Out, be gone, out and be gone. Jesus Christ. Jesus Christ. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Que tout esprit. Let every spirit. Qui a volé quelque chose à quelqu'un. That has stolen anything from somebody. Et qui a caché. And has hidden it. Dieu au nom de Jésus Christ. Say in the name of Jesus Christ. Nous te frappons. We strike you. Nous arrachons ce que tu as brûlé. We snatch that which you stole. Et nous ouvrons une porte devant toi. And we open a door before you. Sors. Out. Et ne reviens plus. And never come back. Thank you.
Gardez le calme. Please be quiet. Vous avez écouté le témoignage de la sœur hier. You listened to our sister's testimony yesterday. Elle est partie. She went. Pratiquer pour que la concubine de son frère quitte le foyer. And made some practices so that her brother's concubine should leave the home. Le résultat. The results. Son frère devient célibataire chronique. La concubine est partie. Her brother became a chronic bachelor, and the concubine left. Tu vas prier. You are going to pray. Que le petit tour que tu as fait chez un féticheur. That the little visit that you made at the witch doctor's place. Sans savoir que il t'a dépouillé, tu es rentré vide. Without knowing that he stripped you off and that you came back empty. Tu vas tout récupérer. You are going to recover all. Tu lui as même donné l'argent, là c'est grave encore. You even gave him money, that is even so bad. Quand vous entendez que le serpent a l'argent plein dans le ventre, c'est l'argent des hommes. When you hear that snakes have so much money in their mouths, in their belly, this is money that belongs to people. Il vit de ton argent. They live on your money. Toi tu l'adores. And you worship it. Le voleur vient pour voler. The thief comes pour steal, tuer, to kill, pour égorger, and to destroy. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Par la foi, récupère tout. By faith, recover all. Frère, le combat est réel. Les visions que vous aurez là vont s'accomplir. Vous verrez les situations changer. But then the battle is real. Those visions that you see be accomplished, and you see the situation to change. Tous les témoignages que vous écoutez là, nous les découvrons ensemble. All these testimonies that you listen to, we are discovering them together. Dieu nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je récupère tout ce que j'ai perdu. I recover all that I've lost. En visitant les marabouts. Through the visit. En visitant les féticheurs. By visiting. En leur donnant la nourriture. By giving them food. En leur donnant l'argent. By giving them money. En prenant des engagements. By taking commitments. Que je ne veux pas regarder derrière. That I'm not going to look back. Je ne veux pas travailler la nuit. I will not work at night. Je veux garder les totems. I will keep totems. Tout ce que j'ai perdu. All that I've lost. Par ce culte païen. By this pagan worship. Je récupère tout au nom de Jésus. I recover all in the name of Jesus. Et je chasse l'armée des démons. And I cast out the army of demons. Derrière toutes ces pratiques. Behind all those practices. Je proclame ma liberté. I proclaim my freedom. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Si un démon, if a demon, a suivi quelqu'un d'entre vous, has followed any one of you, je le chasse au nom de Jésus-Christ. Cast him out in the name of Jesus. Va-t'en vite, vite. Go on quickly. Va-t'en vite. Go on quickly. Je te renverse au nom de Jésus-Christ. I overthrow you in the name of Jesus. Jésus-Christ. Gardez le calme.
Please be quiet. Qui a des vertiges, si tu veux vomir, qu'il y a une manifestation dissimulée, lève-toi, tu vas à l'équipe, parce qu'on doit arrêter. If you are feeling dizzy or you want to vomit, tu te lèves, tu vas à l'équipe. Or any other dissimulated manifestation, just go to the deliverance team. Nous avons besoin de 6 témoignages de ce qui s'est fait ce soir. We need 6 testimonies of what happened this evening. Gloire à Dieu! Je suis le frère dans la Menga d'Eric, j'ai pour faiseur le pasteur Traé. Je voulais bénir l'Éternel, car quand on est de prier tout à l'heure, pour les esprits de Marie de nuit, j'ai vu en vision une femme enceinte derrière ma maman. Elle était en train de courir derrière en pleurant. Laisse-moi, laisse-moi. Ma mère est entrée dans la chambre. Elle a ramassé tous ses habits. Elle a mis la femme dehors. Donc je voulais bénir notre Éternel pour cette vision au nom de Jésus-Christ. Oh, frère d'acclamation. Gloire à Dieu. Amen. Je vais bénir le Seigneur Jésus-Christ. Je me nomme Bras Amoui Félicité. Quand on est pas en train de nous dire on n'a qu'à chasser les serpents. Gloire à Dieu. Ces 1000 pattes, j'ai vu qu'elle est sortie de ma jambe à gauche, à droite, et il est mort. Je bénis le Seigneur qui vient de me délivrer. Au nom de Jésus-Christ, amen. Et je suis le frère Eko Joseph et je suis disciple du pasteur Meunier. Tout à l'heure, lorsque nous étions en train de prier, et lorsque papa a dit que tous les signes de Maïkari, de la Rose Croix, sont brisés, et le Seigneur m'a fait voir une 60aine de démons. C'est-à-dire près de 66 démons, où celui qui était devant avait le numéro 1, le chiffre numéro 1 sur lui. Et ils étaient tous marqués jusqu'au 66e. Et pendant qu'ils étaient en file indien, le chef, celui qui était devant, il y avait un feu qui les poursuivait. Ils se sont tous dispersés et ils battaient dans les ravins. Et celui qui était le premier, le chef, disait que c'est nous qui étions à la base de certains blocages. Nous étions à la base de certaines stérilités. Nous étions à la base de beaucoup de blocages. Et il était en train de dire que nous partons parce que votre Jésus est trop puissant. Et le Seigneur me faisait comprendre qu'effectivement, il nous a bénis, qu'il y aura des contrats qui seront signés, il y aura des délivrances, il y aura des personnes même qui vont enfanter. Le Seigneur me faisait comprendre encore que tous ceux qui avaient signé des contrats qui étaient bloqués, les gens viendront témoigner pour dire que les contrats ont été signés. Et les gens recevront beaucoup de bénédictions. Amen. Je suis la sœur Kwaku Rosalie, mon faiseur, c'est Babouza Suzanne. Quand le pasteur a pris la parole, j'ai entendu une voix horriblement dire que vous êtes trop avancé, je ne peux rien faire. Et la deuxième des choses, c'est que je voyais aussi des chapelets, des catholiques jetés, pour les musulmans jetés. Et quand le pasteur était en train de chasser aussi les serpents de ce côté, les serpents, il y avait trop de pression, ils n'arrivaient pas à ramper. Ils sautaient, 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 et ils partaient dans ce sens-là. Et j'ai vu une épée descendre du ciel, et le Seigneur m'a donné cette épée. Je vais dire merci au Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, c'est la sœur Manassé, disciple de maman Didia. Je voulais vraiment dire merci au Seigneur. Lorsque papa priait tout à l'heure, moi je me disais, dis Seigneur, vraiment je suis fatigué, délivre-moi. Et j'ai entendu une voix me dire aujourd'hui là, je vais te délivrer. Et il y avait une forte douleur dans ma poitrine, comme si c'est le feu qui était là. Dans la vision, j'ai vu la tête d'un serpent. Et j'ai vu le serpent sortir de moi. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Amen. Les baobabs sont en train de tomber. Baobabs are falling. Consacrez-vous davantage. Consecrate yourself the more. Réconciliez-vous. Reconcile yourselves. Le Seigneur est à l'œuvre.